Diamond! Diamond! Junior! Diamond! Diamond! Junior! Bien, cette année nous ne sortirons pas du pays parce que mon père va rentrer à la maison pour passer de longues vacances avec nous. De toute façon, nous partons en voyage à Ibadan demain. Oui, je suis très excitée. Diamond, je t'appelle et tu ne réponds pas. Ah, je te rappelle. Maman, tu as promis de frapper. J'ai promis de frapper. J'ai crié de bas en haut. Tu m'évites délibérément? Non. Maman, j'étais en train de téléphoner. Diamond. Lève-toi et viens m'aider à la cuisine, s'il te plaît. Mais maman... Quoi? Je suis au téléphone. Vraiment? Tu pourras répondre après la cuisine. N'est-ce pas toi qui as promis cuisiner pour ton papa? Oh, mais c'est vrai. Papa devrait atterrir dans 1 heure. Mm-hmm. Waouh! Nous n'allons pas le chercher à l'aéroport? Pas question, il va rentrer tout seul. Allons-y. Mais pourquoi n'allons-nous pas le chercher? N'est-ce pas les habitudes de famille? Il a dit qu'il ne voudrait pas nous stresser, d'accord? Il va rentrer tout seul. D'accord. Est-ce qu'on devrait le surprendre? Diamond, peut-être la prochaine fois, d'accord? Viens m'aider à la cuisine. Maman... Ah bon? Viens m'aider à la cuisine et arrête tes négociations. Oh... Vous savez que je ne me plains pas. Mais vous devez licencier Jessica. Ah. Je veux dire que cette fille est nulle dans tout ce qu'elle fait. Mais on ne licencie pas les gens ici juste comme ça. Mais elle doit partir. D'accord. Je lui ai donné du travail sur le dernier projet. De me l'envoyer en 2 jours. Mais cette fille a pris 1 mois. 1 mois. Qui fait ça? Qu'elle soit parfois lente ne veut pas dire qu'elle ne connaît pas son travail. Vous la défendez maintenant? Oui. Imagine-toi, quand tu as commencé, as-tu été aussi rapide? Attendez. Est-ce que M. Peter est en ville? Est-ce évident? Je veux dire que vous avez toujours ce truc en vous, surtout quand il vous emballe. S'il te plaît, donne le rapport et libère le plancher. D'accord. Mais s'il vous plaît, parlez à Jessica ou je la vire moi-même. Excuse-moi. Quelque chose aurait fait de toi le patron? Soudain, tu deviens le boss? Je suis le AP, l'assistant personnel. Et puis voilà. Assistant personnel, mon œil. Oh. Ma chérie! Oh mon Dieu! Ne me dis pas, je sais. J'ai été une mauvaise amie. J'ai été une mauvaise amie, je sais. Je ne t'ai pas vue depuis... Est-ce que ça fait 5 mois? Je sais pas.
Ne me le demande pas. J'ai juste réalisé que... Si je ne demande pas d'après toi, toi, tu ne le ferais jamais. Je suis désolée. Tu ne me croiras pas. Au cours de ces derniers mois, je ne me souviens pas avoir eu plus de 4 heures de sommeil. Wow. Je t'assure. Ah oui, mais nous adorons ça. Parce que ton entreprise prospère. Oui, nous intervenons pas. C'est comme si je me rappelais quand tout a commencé. Tu sais, l'autre jour, j'étais en train de vérifier, je ne sais plus ce que je regardais. Et quoi? Diamond Design aura 10 ans au mois d'août. Tu sais, je suis tellement contente pour toi. Merci. Je veux te dire que je veux que tu sois au top de la société Diamond. C'est mon souhait et c'est ce que je veux pour toi. Et tu es la meilleure aussi, ne l'oublie pas. Pour toujours. Je suis très fière de toi, ma chère. Crois-moi. Nous avons bien travaillé. Plutôt toi. Toutes les deux. Je suis très fière de toi. Tu crois que c'est facile de gérer un restaurant dans cette économie de boirie? Ça ne l'est pas. Ma chère, s'il te plaît, ne me le rappelle pas. C'est une lutte littérale pour avoir des cuisiniers nantis. Je ne sais pas comment vous faites. C'est un combat. Je ne peux pas faire de l'hôtellerie. Je tuerai juste l'enfant de quelqu'un. Et Pita? S'il te plaît, il est parti en voyage d'affaires ce matin. Tu peux imaginer ce que les deux prochaines semaines vont être. Oh, il va tellement te manquer. Ne me le rappelle pas. Tu sais, tu as beaucoup de chance. Tu fais 14 ans de mariage maintenant. Plutôt 16 ans. Et il est toujours là pour toi et te gâte, mon mari. Il ne se rend même pas compte que j'existe. Il s'en rend compte. Arrête. De toutes les façons, j'ai une invitation pour toi de la part de ta fille. Elle fête son anniversaire dimanche. Attends. Elle va avoir 13 ans. Oui. Je suis une marraine terrible. Je l'accepte, sans discussion. Mais je serai là. Je serai là. J'ai hâte d'y être. J'ai constaté que tout le monde était occupé là. Je voulais qu'on déjeune ensemble ou quelque chose comme ça. Oui, on peut déjeuner. Ou tu aurais pu m'apporter à manger, propriétaire de restaurant. D'accord, t'inquiète pas. Le week-end prochain, mon restaurant nous prendra en charge, d'accord? A dit mon ami, propriétaire de restaurant. C'est pour ça que c'est à mon compte. Tu n'auras rien à payer. Au moins, viens manger. Ne pense pas que je vais manquer ça. Junior, arrête! Arrête, Junior! Donne-moi, je te préviens. Donne-moi ça maintenant. Junior! Papa! Mes enfants, comment vas-tu, Diamond? Je vais bien. Hey, ma petite ange Diamond, comment vas-tu, Junior? Je vais bien, papa. Revenez ici, on ne se bat pas aujourd'hui. Je dis bien pas aujourd'hui. Papa, Junior me provoque encore. Junior, qu'as-tu fait à ta sœur? Donne-moi ça. Donne-le-moi. C'est la propriété de ta sœur. Qu'est-ce qu'elle fait dans ta main? C'est ce qu'il fait toujours. Il prend mes affaires et s'en moque. Junior, nous allons avoir une longue discussion. Tu dois respecter la vie privée de ta sœur. C'est une fille adulte, tu sais pas. Alors, qu'est-ce que tu dis à ta sœur? Désolée. Je veux des excuses sincères. Je suis désolée. Ma princesse, il s'est excusé. Pardonne-lui, d'accord? Où est votre mère? Oh, elle est dans la cuisine. Dans la cuisine? Bon moment de surprise. Très bien. Tiens, salut bébé. Tu m'as manqué. S'il te plaît. Pourquoi fais-tu comme si je t'avais pas manqué? C'est moi, je suis de retour. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour le dîner? De la routine. Routine? Pourquoi fonces-tu la mine? Je t'ai manqué, juste accepte que je t'ai manqué. Bébé,
J'ai été absent pendant 3 mois et c'est comme ça que tu m'accueilles. Ici, c'est ta maison? Encore? D'accord, c'est bon. C'est bon. J'ai quelque chose de bien pour toi. Merci. Juste merci, tu veux pas le voir? Papa, papa, allons jouer. Allons jouer, d'accord, papa. D'accord, d'accord, d'accord. Attends. Allons, s'il te plaît, papa, allons. D'accord, d'accord, c'est bien. Bébé, je vais jouer avec les enfants. Allons-y. Papa, je suis si contente que tu sois à la maison. Moi aussi, je suis contente d'être à la maison. Alors, papa, tu veux bien m'amener à la fête d'anniversaire de mon ami? Il s'appelle Kenan et c'est le week-end prochain. Kenan? Mm-hmm. Et qui est Kenan? Un garçon qu'elle aime. Tu as la ferme. Mon ange, tu sais que nous voyageons sur Ibadan, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. On sera de retour avant. La fête, c'est le week-end après. Donc... Je vois. Papa, à quelle heure on part demain? Junior, tôt dès 7h du matin. Super! Papa, s'il te plaît. Je veux que tout le monde te rencontre. Tous mes amis ont déjà connu maman. Je veux vraiment te les montrer. D'accord. J'aimerais bien les rencontrer aussi. Ça veut dire oui? Oui, mon ange. Je vais le mettre dans mon journal. Hey, assieds-toi. Tu pourras le faire plus tard. Finis ton repas. Pouf. Garçon. Des garçons. Alors, comment va la mort de ma vie? Tu sais, je t'ai acheté le parfum que tu aimes tant. Et la voiture que tu voulais, je l'ai commandée aussi. Elle sera là dans 2 mois. Quoi? Tu as acheté une nouvelle voiture à maman? Mm-hmm. Maman, tu es très chanceuse. D'accord. Je vais chercher la salade de fruits. Quoi de neuf, les gars? S'est-il passé quelque chose pendant mon absence? Non. Tu te régales bien. Oui, papa. Bébé, je vois que Junior devient turbulent avec sa sœur. Je veux bien qu'il prenne ses études au sérieux, tout comme sa sœur. Si cette couleur va bien avec toi, tu en feras ta couleur. J'étais en train de penser, et si nous voyageons à l'étranger plus tard dans l'année? Je suis sûr que les enfants l'aimeront. Ne viens-tu pas de l'étranger? Ou tu veux retourner de là où tu viens? C'est pour qui ça? De quoi parles-tu? Bébé, est-ce que tout va bien? Bébé, calme-toi et parle-moi. Quel est le problème? Pita, je suis fatiguée. Très fatiguée. Écoute, c'est la dernière fois que tu viens ici et que tu nous y retrouves. Oui. Parce que la prochaine fois, nous serons déjà partis. Qu'est-ce que tu racontes? Rachel. Pita, quand feras-tu de nous une famille digne de ce nom? Quand? Qu'est-ce que tu dis enfin? Ça fait 13 ans. Je suis fatiguée. Les enfants et moi, on ne peut plus continuer comme ça. Continuer comment exactement? Est-ce que j'en ai pas fait assez pour vous donner la vie que vous voulez? Nous voulons être avec toi. Comme une famille, nous sommes fatigués d'être mis à part. Bébé, nous en avons parlé. Et tu sais que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre avec nous. Tu préfères rester ailleurs. Rachel, c'est pas l'accord que nous avions. Pourquoi parles-tu différemment? Je suis fatiguée. Écoute, j'ai changé d'avis, d'accord? Je ne peux plus continuer cette relation à distance. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait dormir un peu. J'ai un voyage à faire demain.
et je serai au volant. J'ai pas la force de supporter tes querelles. Si tu veux, évite cette conversation. J'ai pris ma décision. Soit tu es avec nous ou tu ne l'es pas. S'il te plaît, éteins la lumière quand tu seras fatigué. Bonne nuit. Oh, Charité. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je promets que je vais me rattraper. Je ne peux pas, mais je t'expliquerai quand je te verrai. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma Diamond, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon ange. Je vais toujours et toujours célébrer ton anniversaire. Tu me manques. Maman t'aime. Joyeux anniversaire, mon ange. Allô? Oui, c'est elle. Pardon, répétez-moi ça. Cela n'est absolument pas possible. Qui? D'accord, j'arrive. C'est une blague? Bonjour. J'ai reçu un appel téléphonique. Vous m'avez appelé? Oui. Êtes-vous Madame Osai? Oui. Accompagne-la chez le docteur. D'accord. Venez avec moi, madame. Docteur, la voici. Bonjour, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Docteur, bonjour. Docteur, je pense qu'il y a une sorte d'erreur quelque part. Que voulez-vous dire? Il y a une erreur parce que mon mari est à Atlanta pour un voyage d'affaires. Voulez-vous dire que nous nous sommes trompés de personne? Oui. Je pense que ça doit être le cas. Nous sommes vraiment désolés à propos de ça, madame. C'est parce que dans son portable, nous avons vu à ce numéro, c'est écrit mon cœur. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de vous appeler. C'est comme cela que mon mari a enregistré mon numéro dans son téléphone. Eh bien, presque tous les maris enregistrent leur femme comme cela. Je ne vous blâme pas pour cette confusion. Voulez-vous voir le patient de qui nous parlons, s'il vous plaît? Juste pour être sûr que c'est lui ou non. D'accord.
Mais comme je l'ai dit, ça ne peut pas être lui parce qu'il est à Atlanta. Excusez-moi, madame. Je pense que vous vous êtes vraiment trompée. Regardez ceci. Tenez. C'est le portefeuille de mon mari. Pourquoi n'est-il pas en sa possession? Quoi? Ceci peut être... Mon Dieu! C'est à lui! C'est le sien? Oui, mais peut-être qu'il a perdu. Comment avez-vous cela? Voulez-vous voir le patient? Absolument, absolument. D'accord, s'il vous plaît, suivez-moi. C'est Peter. C'est mon mari. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, docteur. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Docteur, c'est mon mari. Oh mon Dieu. Non, 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 Peter, non. Calmez-vous, madame. Calmez-vous, s'il vous plaît. Soyez forte, s'il vous plaît. Non, non. Calmez-vous, Peter, calmez-vous, non. Madame. Courage. Soyez courageuse. Du calme, madame. Non. S'il vous plaît. Retenez-vous, s'il vous plaît. Venez, venez, madame. Venez. Non. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce qui se passe, docteur. Comment quelqu'un qui a quitté le Nigeria pour Atlanta se retrouve dans votre unité de soins intensifs inconscient? Peut-être qu'il n'a pas voyagé. Comment? Je suis censée tout savoir. Je suis sa femme. Je veux dire, je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Où suis-je perdue? Je suis désolée, docteur, de vous poser toutes ces mauvaises questions. J'essaie juste de trouver la logique dans ce qui se passe. Laissez-moi. Laissez-moi vous poser une question importante. Est-ce qu'il ira mieux? C'est un incident sérieux, madame. Deux autres sont décédés sur le champ. Juste ces deux ont survécu. Ah! Mort? Oui. Quelle voiture? Et il n'a pas quitté avec sa voiture. Mort! Bien, vous aurez à vous adresser à la police à propos de la voiture. Mais c'est vraiment dans un mauvais état. Qui sont ces gens? Ressemblent-ils à des associés d'affaires? Je me sens comme la personne qui doit chercher leur famille maintenant, ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne crois pas, madame. Il aurait pu aussi mourir. Une femme avec ses deux enfants était dans la voiture avec lui. Mais malheureusement, la femme et le petit garçon ont trépassé avant d'arriver à l'hôpital. Seule la fille a survécu. Quelle fille?
qui est-elle supposée être? D'après nos investigations, son nom c'est Diamond Osai. Attendez. Diamond? Oui. Diamond Osai. Son frère s'appelle Junior Osai. Et leur mère, Rachel Akiola. Osai, c'est notre nom de famille. Puis-je avoir accès à peut-être leur effet ou quelque chose qui pourrait peut-être m'indiquer où... qui elle est supposée être? Bien sûr. Suivez-moi dans mon bureau. Madame, c'est leurs effets personnels. Les autres sont à la police. Cher journal, papa est revenu des États-Unis et nous aurons à beaucoup nous amuser, tout comme une famille. Papa vient nous rendre visite une fois tous les 3 mois et j'adore quand il vient. Il amène plein de bonnes choses à la maison quand il est là. Nous sommes tous heureux, surtout maman. Non seulement il m'amène à la fête de Kenneth, il nous conduit aussi en voiture jusqu'à Ibadan pour voir tout ce qu'il y a à voir et à entendre. Je suis impatiente de voir demain matin. À plus alors. Leave me. Heaven knows I've been here. Though
Réveillée. Où est-ce que je suis? Je veux voir mon papa. Tu le verras. Tu le verras. Je veux voir mon papa. T'inquiète, tu le verras. Est-ce que ça va? Veux-tu que je t'apporte à manger? Non. Je veux juste voir mon papa. Le docteur sera avec toi bientôt. Bonjour, Diamond. Comment vas-tu? Comment connaissez-vous mon nom? J'ai vu ton journal. Désolée de n'avoir pas eu ta permission avant de le lire. Qu'est-ce que je fais ici? Je veux voir ma famille. C'est bon, tu as besoin de te reposer, d'accord? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me souviens avoir vu des vitres cassées. Je me souviens avoir été dans un accident. Calme-toi. Calme-toi. Tu as besoin de repos. Mais avant, quel est ton plat préféré? Je vais te le chercher à manger. Je ne veux rien manger. Tu dois manger. D'accord? Tu dois forcément manger quelque chose. Je veux voir mon papa. Infirmière, trouvez-lui quelque chose à manger. D'accord, docteur. Tout ira bien, d'accord? Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Je veux voir mon papa. Calme-toi. Tu le verras. Tu vois, tu es une fille très chanceuse. Sinon, tu n'allais pas pouvoir survivre. Je veux voir mon papa. Tu le verras. Relax. Tu le verras bientôt. D'accord? Laisse-moi te donner ton repas. Bonjour, docteur. Bonjour. As-tu essayé de contacter Madame Diane Osai? Oui, je l'ai fait plusieurs fois, mais elle ne répond pas aux appels. C'est elle qui peut gérer les choses ici. Pensez-vous qu'elle reviendra à l'hôpital? Docteur, les personnes impliquées dans l'accident avec cet homme, sont-elles sa famille? Oh oui, ils le sont. Ah! Ah! C'est triste. Une si belle femme. Pourquoi son mari n'a-t-il pas tout simplement divorcé au lieu de lui faire ça? Comment le savoir? Je me souviens que nous n'avons pas le droit de faire de commérage sur nos patients. C'est clair? Compris, docteur. Malheureusement, elle est la seule à pouvoir gérer les choses par ici. Non seulement elle va s'occuper de son mari, mais aussi de l'enfant survivant. Et organiser les obsèques de la femme décédée et de son enfant. Mon Dieu. C'est assez malheureux, comme tu le dis. De toute façon, tu peux partir maintenant. Vérifie les patients de la salle 3. D'accord, docteur. Ouais. À plus. Bien. Diane. Diane. K.
Qu'est-ce que c'est que ça? Diane. Tunde a dit que tu agis bizarrement toute la journée. Même ton DP a dit que tu n'étais pas au service hier. Et tous les efforts pour te joindre ont été vains. Oui, effectivement. Parce que j'ai l'intention de me suicider. Qu'est-ce que tu veux dire par « je veux me suicider » Tu sais quoi? C'est poison rapide. Qu'il suffit de prendre. Et 5 secondes après, quelqu'un est parti. C'est de ça même que j'ai besoin. Vas-tu arrêter de te ridiculiser ainsi? Que penses-tu que Peter pourrait faire en te voyant dans cette situation? Dis-moi, qu'est-ce qui peut se passer autant jusqu'à ce que tu te mettes dans cet état? Peter, tu dis? Tu me fais peur. Tu me fais peur. Peter est en enfer. Quoi? N'oublie pas l'auteur du livre. Ma sœur, que veux-tu que je te dise? C'est bizarre, hein? Donc ce patient pathogé entre deux différentes familles. Hein? Ayant peur des hommes. Ce n'est pas tout. Maintenant que la maîtresse et son fils sont morts, qu'advient-il de la fille? Attends, que veux-tu dire? Je pense que cette femme n'a aucune famille, car personne ne l'a appelée depuis l'accident. Donc c'est la femme légale de l'homme qui va prendre en charge la petite, hein? Ça, c'est un problème, hein? Un très sérieux problème. Si j'étais la fille, j'allais aussi mourir pour rejoindre ma mère et mon frère. Comment peux-tu dire ça? Oui, non, ça a du sens. Je veux dire, la mère est morte et le fils aussi. L'homme aussi est dans le coma. Qui sait s'il va s'en sortir? Tellement terrible. Que dites-vous? Qui est mort? Et qui est dans le coma? Pourquoi as-tu quitté ton lit? Qui est mort? Et qui est dans le coma? C'est bon, ça va. Laisse-moi tranquille. Allez, viens. Non! Non! Diane, qu'est-ce que c'est? Je... C'est qui... Fille Diamond. C'est la fille de Peter. La fille de Peter? Comment ça, fille de Peter? Mon mari avait une seconde famille. Ici, à Lagos. Je ne savais rien à propos.
Je ne savais rien. Non, ça me cause une confusion. Pita, c'est un bon gars. Qu'est-ce qui fait la confusion? N'as-tu pas lu le journal de sa fille? Qu'est-ce qui fait la confusion? Attends. Pita ne peut pas te faire ça. Pita ne peut pas te faire ça. Non. Veux-tu que je t'amène à l'hôpital? Peut-être que tu as besoin de le voir. Voir les preuves pour commencer à croire. Je l'ai vu. Là. J'essayais de convaincre mes yeux du genre non. C'est pas ton mari. Tu avais parlé à ton mari quand il avait atterri à Atlanta. Mais je pouvais bien voir que c'était bien Peter. Qui est dans ce lit d'hôpital? Je peux pas croire à ça. Non, il pourrait pas. Il ne pouvait pas. J'ai arrêté. Tu es en train de lire le journal de sa fille. De quoi as-tu besoin d'autre? Est-ce que tu sais, ma sœur, la chose la plus ridicule est que l'hôpital ne cesse de m'appeler. L'hôpital? Ils veulent que ce soit moi, celle que personne n'avait consultée. Avant qu'ils n'aillent fonder leur seconde famille. Ils veulent que ça soit moi qui prenne maintenant les décisions. Ils veulent que ça soit moi, la personne qui prenne en charge le corps de cette prostituée et celui de son fils. Ils veulent aussi que je sois celle qui prenne la responsabilité de Peter qui se trouve dans le coma. Ainsi que sa bâtarde de fille. Oui, bébé, je suis là. Merci, bébé. C'est bien, doucement. Reprends l'eau. Je n'ai pas besoin d'eau. Que veux-tu alors? Je veux du jus. Jus de fruits. C'est ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je te l'apporterai. J'en suis sûre que Diamond sera une gourmande comme toi. Je mange sans arrêt depuis que je suis enceinte. Donc je suis gourmande, tu veux dire? Uh-huh. Tu sais quoi? Je pense que tu vas gâter ce bébé. Mais attends, comment sais-tu que c'est une fille? Une fille? Mon premier enfant? C'est une fille. Non, ça ne peut pas être une fille. C'est mon enfant. Mon premier enfant sera un garçon. Non, non, c'est une fille. Et quand il sera né, il s'appellera Peter Junior. Bien. Mais Diamond est une fille. Je le sens. Je ne veux pas discuter avec toi. Attendons. Bien. Attendons que le bébé soit né. Tu aimes la nourriture? Oui, merci. Mais n'apprends un peu d'eau. Non, je veux du jus. Où vais-je trouver du jus maintenant? T'en as pas? D'accord, je vais aller le chercher, mais prends de l'eau d'abord. Non, je ne bois pas de l'eau. Laisse-moi me régaler. Tu es vraiment capricieuse. Tu aimes ça? Je suis un bon cuisinier, tu sais. C'est très bien. C'est bon, bébé. Bébé, arrête de pleurer, s'il te plaît. D'accord? Je ne peux pas. Je ne peux pas croire qu'elle soit partie. Sois juste forte. Comme ça. T'en fais pas, nous aurons d'autres enfants. Non, nous n'en aurons plus. Tu as entendu ce que le docteur a dit? S'il te plaît. Et voilà, c'est ça. Pouvons-nous ne pas en parler? Non, je veux en parler. Mon amour. Tu viens de quitter l'hôpital où tu as passé 2 semaines après la naissance de notre enfant.
Tu as besoin de repos. Je ne veux pas me reposer, Peter. Je ne veux pas. Je veux que nous en parlons, Peter. C'est sérieux. Allons nous prétendre que ce que le docteur a dit n'est pas vrai. Que d'une façon miraculeuse, ce ne sera pas réel. Bébé, c'est bon. C'est bon, s'il te plaît. Je veux avoir des enfants. Je te comprends, mais s'il te plaît, calme-toi. Je veux des enfants. Peux-tu arrêter de pleurer? Arrête de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Attends. C'est la fille d'Amon qui a écrit ce journal? Charité, tu comprends maintenant? Son nom est Diamond. Son nom est Diamond. Le nom de notre fille que Peter a disputé avec moi plusieurs semaines. Il a pris le nom de mon enfant et l'a donné à cette étrangère. Quelle cruauté! Je ne pense pas que cela pouvait être réel pour lui. Non, je pense que c'est moi qui me suis trompée moi-même. Peter ne m'a jamais aimée. Attends, je sais même pas quoi te dire. Je sais pas quoi dire. Tu pleures? Laissez-moi tranquille, je ne veux pas vous parler. Laissez-moi tranquille. Pourquoi tu ne me parlez pas. Calme-toi, question. Ne me mentez pas, pourquoi tout le monde est mort. Pourquoi tu cries? Arrête. Je suis la seule en vie. Calme-toi. Je suis la seule en vie, laissez-moi, je ne veux pas vous parler. C'est pas tout le monde qui est décédé. Laissez-moi tranquille, ne me parlez pas. Ton père est en vie. Mais il est dans le coma. Il peut s'en sortir à tout moment. Donc, vous êtes en train de me dire que mon père va survivre? C'est probable. Nous faisons de notre mieux pour le ramener à la vie. D'accord? Il faut juste te calmer. S'il te plaît, tu n'es pas dans les conditions pour pleurer. Qu'en est-il de ma mère? Et Junior? Je suis désolée. Je peux les voir? Tu ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas m'engager pour ça, parce que je ne suis pas un de tes parents. Puis-je avoir la permission de mon père? On ne sait pas quand il va se réveiller. Maman! Ça va. Ça va. Sois forte. Ça va, s'il te plaît. C'est bon. Calme-toi. Calme-toi. Oh, ma petite, sois forte. C'est vrai que c'est un peu dur, mais calme-toi. Hein? Calme-toi. Je t'en prie, c'est bon. As-tu une relation que nous pouvons appeler pour venir te chercher? Non. Même du côté de ta maman? Les parents de ma mère sont morts quand elle avait 18 ans. Elle vit seule depuis le décès de ses parents. C'était un enfant solitaire. Alors personne? Non. Juste calme-toi, Diamond. Regarde-moi. Calme-toi, d'accord? Tout ira bien. Je te le promets. Docteur. Oui. Docteur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va m'arriver?
Je suis la seule ici. Qu'est-ce qui va donc m'arriver? Diamond, tu as la chance d'être en vie. Tu dois profiter de la vie, ce que ta mère et ton frère n'ont pas eu la chance d'avoir. Tu dois être forte pour eux. S'il te plaît, d'accord? Tu dois vraiment être forte. Diane, où vas-tu? Où d'autre? À l'hôpital. Il n'arrête pas de m'appeler. Il faut que j'aille régler ça. Veux-tu que mon chauffeur t'y amène? Non, ça va. Je vais conduire moi-même. Alors, mange quelque chose avant de partir. Je vais bien. Alors, tu vas pour les préparatifs de l'enterrement ou... Comme ça se doit. Elle est l'épouse légale et moi la maîtresse. Ne dis pas ça. Elle a deux enfants. Deux enfants. Où suis-je? Tu as eu un enfant aussi, mais il est mort. Et il a endommagé ton utérus, c'est pour ça que tu n'en as plus eu. Ne me le rappelle pas. Charité, ne me le rappelle pas. Et à propos de la fille? Quelle fille? La fille Diamond. Ne l'appelle pas comme ça. C'est son nom. Non. Avez-vous retiré les effets de la police? Oui. Je vous remercie d'être là. Je sais que c'est un moment difficile pour vous, Madame Osai. Mais vous êtes la seule à pouvoir gérer cette situation. Puisque vous avez déjà payé pour l'enterrement, la pompe funèbre de l'hôpital va commencer les préparatifs. Puis-je partir? Oui, vous pouvez partir. Mais votre mari a toujours ce soin intensif. Et il faut que vous veniez de temps en temps prendre de ses nouvelles. Et je vous rassure que nous ferons de notre mieux pour qu'il s'en sorte. Faites tout ce que vous voulez. Et la fille, elle n'a nulle part où aller. Et comme elle est l'enfant survivant de votre mari, vous êtes automatiquement sa tutrice. Vous pouvez partir avec elle. Est-ce une blague? Shining sun, it's so dark in here. I've got nowhere to go. Who can help you heal your heart? Heal your soul. Bonjour, maman. Madame, elle est prête. Monte. Au revoir, madame. I've got nowhere to go.
Maman, je vous sers quelque chose à manger. Je vais bien. Tante Charité m'a dit que je devais m'assurer que vous mangiez. Est-ce qu'on a des ananas? Oui, maman. Peut-être avec des carottes, tu vois. Je ne pense pas pouvoir prendre quoi que ce soit de solide, alors fais un cocktail et mets du gingembre. D'accord, maman. Maman. La fille, elle est toujours dehors. Il pleut, maman. Tu es rentré sous la pluie. Pourquoi? Hein? Pourquoi es-tu rentré sous la pluie? Je suis désolée, maman. Le bus scolaire m'a déposée à l'arrêt et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Oh, pourquoi tu m'as fait peur? Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas pris de parapluie quand je te l'ai dit? Je suis désolée, maman. Tu sais que tu t'enrhumes facilement, hein, comme ton père. Hein? Suis-je comme papa? Si, tu l'es. Hein? Maman? Oui? Pourquoi on ne vit pas avec papa? Parce qu'il vit à l'étranger. Mais l'autre fois... Quoi? J'ai vu sa carte d'entreprise. C'est écrit que c'est ici à Lagos. C'est vrai? Oui. Ah. Donc si c'est ici à Lagos, oui. Pourquoi il ne vit pas avec nous? Diamond, peux-tu aller te changer? Tu poses autant de questions. Et assure-toi de ne pas poser ces questions à ton père. Allez, vas-y, 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 s'il te plaît. Je ne t'emmènerai pas à l'hôpital. Hein? Allez, vas-y, 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 vas-y. Va te changer. Et la prochaine fois, assure-toi de prendre le parapluie avant de partir. Tu n'es pas fatiguée de faire Angèle, des navettes qu'est-ce entre nous qui ne va deux? Pas chez toi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pita, elle t'a pas fait d'enfant. Je t'ai donné de très beaux enfants, Pita. Mais tu la préfères à nous à chaque fois. Elle est ma femme. Et moi qui suis-je? Une femme libre qui a écarté ses jambes à toi. Et tu as tes enfants, une mère porteuse, n'est-ce peux-tu, pas? Peux-tu arrêter? Arrêter quoi? Arrêter quoi? Tu sais quoi? Soit tu divorces et tu m'épouses, ou bien... Je prends mes enfants et je pars. Tu ne peux pas dire ça. Ces enfants portent mon nom. Ils sont à moi. Laisse-moi voir si tu peux les éduquer sans moi. Oui, ou tu penses qu'elle les acceptera. Est-elle au courant de notre existence? Bébé. Dis-moi. Bébé, je veux dire que nous vivons en paix avec cet accord depuis très longtemps. Pourquoi veux-tu changer d'avis tout d'un coup? Ta fille grandit. Et elle me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Des questions comme quoi? Des questions qui me font honte de lui dire que je ne suis pas une femme légale. Que je ne suis qu'une femme de compagnie pour toi. Peux-tu arrêter? Arrêter quoi? Pita, tu sais, ce n'était rien quand ils étaient petits. Plus maintenant, je ne peux plus continuer à leur mentir que tu ne vis pas au pays, mais à l'étranger. Rachel, arrête. Écoute, attends. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'as aimé? Peux-tu arrêter, Rachel? Peux-tu arrêter? Arrête de dire d'arrêter. Tu sais, je ne pensais pas beaucoup avant. Tu sais, quand tu me fournissais tout ce dont j'avais besoin,
J'avais un bon toit au-dessus de ma tête. J'étais bien. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Je travaille dur pour m'assurer que rien ne vous manque. Tu ne perçois pas les choses. Pita, j'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur que mes enfants grandissent et me considèrent comme une femme perdante, une maîtresse, une briseuse de ménage. Ils ne seront pas fiers de m'appeler maman. Je ne sais pas où tu veux en venir. Tu sais quoi? Tu as juste un choix à faire. Soit elle ou c'est moi. Et fais attention à ce que tu feras ensuite parce que si tu ne nous choisis pas, tu trouveras une maison vide quand tu viendras. Attends, es-tu en train de... Papa, nous devons partir pour Ibadan à 7 heures. Et nous sommes déjà en retard d'une heure. Oui, chérie, maman et moi étions en train de discuter sur certains sujets. Oui. Êtes-vous prêts? Oui. D'accord, je vous rejoins. I got used to it all. Now I don't know what to feel anymore. I don't know what to believe anymore. It's not the home, a place shining sun. C'est bon. Courage, d'accord? Va prendre ta douche. J'ai chauffé l'eau pour toi. Merci. Tu peux déposer ton sac là. Tu vas rester ici avec moi. Quand tu auras fini ton bain, je te mettrai une couverture pour que tu n'attrapes pas froid. Merci. Ne me remercie pas. Tu as chance que je suis une personne gentille. Hein? Je travaille pour madame depuis 2 ans déjà. Je ne l'ai jamais vue aussi en colère. Qu'est-ce que tu lui as fait au juste? C'est bon, va prendre ta douche. Vas-y, vas-y. Jumai? Jumai? Oui, madame. Je suis prête. Bonjour, madame. Bonjour. Vous partez au service? Oui. Madame, je veux savoir ce que je vais faire pour la fille dans ma chambre. Assure-toi que tout soit propre dans cette maison avant que je ne revienne du travail. Hein? Oui, madame. Elle m'a rien dit. Elle n'a même pas répondu à ma question. C'est bizarre. Madame Ansai. Le nom, c'est Diane. Emploie-le. À vrai dire, c'est pas comme cela que nous vous appelons depuis des années. Pourquoi maintenant? Alors fais un mémo à chaque membre du personnel. À partir d'aujourd'hui et à l'avenir, j'aimerais qu'on s'adresse à moi en tant que mademoiselle Diane. Mais madame, écoutez, je sais que votre mari est malade et qu'il est dans le coma. Croyez-moi, il s'en sortira très fort. Baba Tunde! Qu'est-ce que je viens de dire? Maintenant, va-t'en! Et fais ce qu'on t'a dit. Et ne reviens plus dans mon bureau. Pas aujourd'hui. Dégage. J'ai entendu ta voix. Que
Que s'est-il passé? Charité, je ne peux pas respirer. Cet imbécile. Cet idiot. Cette espèce de stupide. Que j'appelle un mari a dépensé excessivement pour sa maîtresse. Quoi? Et ses enfants. Tu n'as aucune idée de tout ce qui m'a été caché. Quoi? C'est comme si j'étais aveugle. Comment l'as-tu découvert? C'est dans l'ordinateur. Son ordinateur. Sais-tu? Je me moquais de ces femmes qui fouillaient dans le téléphone de leur mari. Ou autre chose personnelle, me disant qu'est-ce qu'elles cherchent. Il n'y a pas de relation sans confiance. Que le tornerre frappe la confiance. Es-tu sérieuse? Que le tornerre foudroie la confiance. Cet homme! Je me sens vraiment comme la femme la plus stupide au monde. Oh mon Dieu! Sais-tu qu'il a acheté une maison entière? Hein? Je l'ai jamais su. C'est pas fini. Il y a une dernière voiture précommandée qui arrive dans 2 mois. Si tu parcours les reçus que je vois, tu penserais que Peter est un milliardaire vu ses dépenses. C'est trop cruel. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Je me trompais moi-même que je suis une femme qui travaille, tu vois. Dans ma tête, je pensais que notre relation allait bien. Je me demande comment peut-on avoir une famille entière. Et ensuite, on dribble. Oh Dieu. Je veux qu'il se lève de là et que je puisse le presser. Presser et finir avec lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Comment ma vie est ainsi. Je ne sais pas. Que suis-je censée faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Charité, dis-moi. Que dois-je faire? Diane, peux-tu reconnaître la maison? Je veux dire, là où il vivait avec cette femme. L'adresse est sur le reçu. Mais je ne peux pas entrer dans une maison que je n'habite pas. Pour dire quoi? Les hommes sont une honte. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. À propos de Diamond, elle peut pas t'emmener? Parce qu'elle vit là-bas. Comment oses-tu? Qui t'a dit de t'asseoir dans ma maison? Qui t'a donné la nourriture? Excusez-moi, madame, c'est ma faute. Tu es virée. Oh, tu as bien avec moi. Excusez-moi, madame. Suis-moi. Ah, madame, pardon. Je suis désolée, madame. Pardonnez-moi, madame. Hey, Dieu, je ne devais pas m'impliquer à leurs problèmes. Hein. Oh, du mal, regarde ta vie. Regarde comment tu te fais virer si facilement. Hey, madame, pardon. Hey, Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Oh Dieu.
C'est ce que je suis censée faire. Oh, vraiment? Bébé, tu es en train de salir notre lit. Regarde. Je le nettoierai plus tard. Écoute, tu dois respecter cet endroit. C'est sacré. Es-tu sérieux? Je t'ai déjà dit que je ne plaisante pas. Avec mon mariage et surtout pas avec mon lit matrimonial. Bien sûr, c'est notre sanctuaire. Bébé, tu sais, je suis toujours heureux quand je suis avec toi. Je suis la plus heureuse. Je sais, mais dans cet endroit, j'ai l'impression que nous sommes juste les seules personnes dans ce monde. Mais nous le sommes. C'est vrai. Je prie Dieu que je n'ai... Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais un meilleur endroit plus sacré pour moi que cet endroit. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, tu vas manger doucement et ne pas salir ce lit. Promis? Qu'est-ce qui va te distraire? Qu'est-ce qui va te distraire? Oui? Tu es là? Je t'ai apporté ça. Ce n'est pas mon anniversaire. C'est pas nécessaire. Ouvre-le. Ce n'est pas notre anniversaire. Quoi? Tu ne l'aimes pas? Je l'adore, mais... Bébé, est-ce qu'on peut se permettre de faire un cadeau aussi cher? Bébé, allez, c'est toi. Quand il s'agit de toi, rien n'est trop cher. Je l'adore, merci. Merci, bébé. Dans un instant, j'ai cru que tu ne l'as pas aimé. Il t'a donné le nom Diamond. C'était le nom de ma fille. C'est moi qui ai choisi ce nom. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Du coup, j'ai tout perdu. Comment? Peter, Dieu te punira. Non. Je vais me punir moi-même. Non, je vais bombarder cette maison. Oui, je vais tout brûler dans cette maison. Diane. Où suis-je? Tu es à l'hôpital. Tu t'es évanouie. Oh. Je t'ai appelé sur ton téléphone et Damon a décroché. Qui?
Diane, je m'inquiète pour toi. Veux-tu que j'appelle l'infirmière ou quelque chose d'autre? Je vais bien. Quoi? Je vais vivre ma vie exactement comme je l'entends. Mais, Diane, tu n'es pas stable. Je me sens responsable de t'avoir mise dans cette situation. S'il te plaît, arrête ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me débarrasser de ces choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Exactement ce que tu vois. Quoi? Diane? Peter, tu ferais mieux de te réveiller. Tu ferais mieux de te réveiller et de répondre exactement à toutes ces questions que j'ai pour toi. N'essaye surtout pas de te moquer de moi. Vaut mieux te réveiller et me dire ce que je t'ai fait pour mériter ça. C'est pour cette raison que tu n'as jamais envisagé l'adoption ou l'option in vitro. Une famille entière. Pendant 13 ou 14 ans. M'as-tu sincèrement aimé? Tu ne l'as jamais fait, c'est évident. Parce que comment peux-tu me faire ça? Te voilà maintenant, allongé là, comme... Même si tu meurs, je te poursuivrai, je te réveillerai et je te tuerai moi-même. Tu ne vas pas me dissuader. Tu vas me répondre, d'accord? Tu vas me le dire, tu me le diras. Comment as-tu pu oser me faire ça, Peter? Où se trouve cette fille de pute? Où est-elle, Diamond? Je ne sais comment on l'appelle. Où es-tu? Je t'ordonne de ramasser toutes tes affaires et quitte ma maison immédiatement. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Tu me comprends très bien. Est-ce que je communique? Maman, je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, maman. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? J'ai dit de faire tes valises et partir. Alors que ta stupide prostituée de mère était occupée à vendre son corps, faisant de mon mari sa propriété. Elle ne pensait pas que ceci allait arriver. S'il te plaît, maman, je n'ai nulle part. Je ne vais plus te répéter cela. Quitte ma maison. Si je vois une seule lame... Ah, je jure, une seule... Est-ce que tu entends même ce que je dis? Je vais te battre à mort. Es-tu cinglée? Comment oses-tu? Ta mère a fait de moi... Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Je ne vais pas te toucher. Va là-bas. Où croyais-tu aller? Ou bien tu crois que tu vas t'enfuir et laisser tes saletés dans ma maison? S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Pardon, maman. Tu ne veux pas partir. Tu ne veux pas partir, n'est-ce pas? Très bien. Reste. C'est la maison de ton père. Reste. Mais sois-en sûr. Je ferai en sorte que tu profites bien de ton séjour, princesse.
sortir à cette heure-ci. Mon ami, tiens-toi debout. Balaie cette maison de là-haut en bas. Continue de dormir. Dégage! Continue de dormir, je ne m'adresse pas à toi. Allez! Bouge! C'est étrange tout ceci. Si l'on me disait que madame pouvait se comporter ainsi, je n'y croirais pas. Je t'en supplie, Tata. Va-t'en d'ici. Va chercher quelque part d'autre où rester. S'il te plaît, je... J'ai pas d'autre endroit où dormir. Ça, c'est pas mon affaire. Tu veux me foutre dans le pétrin? Cette femme va me virer à cause de toi. D'accord, laisse-moi dormir par terre. Je peux dormir par terre. Ne te couche nulle part dans cette chambre. Va-t'en. J'ai tellement faim. Et je suis fatiguée. Je n'ai rien mangé depuis le matin. En quoi cela me concerne-t-il? Pardon, va-t'en. Va-t'en. S'il te plaît, je n'ai trouvé nulle part. S'il te plaît, laisse-moi juste dormir ici. Va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Tu vas me mettre dans de pétrins. Je ne veux pas qu'elle vienne nous trouver ici. Va-t'en. Me mettre dans des difficultés. C'est quoi tout ça?
Prends. Mange. Merci. Utilise ceci pour te couvrir. Merci beaucoup. Merci. Excuse-moi d'être sévère avec toi. C'est que j'ai peur. Je ne vais pas retourner dans mon village. Penses-tu que la maltraiter va changer quelque chose? Chérie, tu te crées plus de douleur à toi-même. Peter doit payer pour tout le mal qu'il m'a fait. Oui, c'est vrai, mais elle est innocente. Innocente? Elle est le produit direct de la liaison de mon mari avec sa mère. Comment peut-elle être innocente? Mais est-ce que tu réalises que sa mère est morte dans le processus, ainsi que son frère? Quelle punition supplémentaire veux-tu donner à une fille de 13 ans? Laquelle? Je m'en fiche. Diane, tu es juste nerveuse. Et cette nervosité ne t'amènerait nulle part. Si tu veux te venger de quelqu'un, que ce soit Peter, abandonne-le, laisse-le à l'hôpital. Arrête de lui rendre visite à l'hôpital. Je ne lui rends pas visite. Mais tu payes toujours pour ses factures, ses médicaments. C'est peut-être tout ça qui te ronge le cœur, qui te rend nerveuse et te rend mal. Je ne suis pas une meurtrière. J'aimerais l'être. Je pourrais lui arracher le cœur et le déchirer. Le briser en un million de morceaux. M'assurer qu'il souffre autant que je souffre. Apparemment, je suis une lâche. Tu n'es pas une lâche. Tu es une femme qui a été trahie par une personne que tu aimes le plus au monde. S'il te plaît, je t'en supplie. N'exerce pas ta vengeance sur Diamond. Elle est aussi innocente comme tu l'es. J'ai l'impression que ma vie est une arnaque. Que rien de tout cela n'a jamais été réel. Jamais, n'est-ce pas? Est-ce que Peter m'aimait au moins? Tu sais, je l'ai supplié. Je l'ai supplié pendant des mois. J'ai dit, adoptons. Il dit non, 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 non. Qu'il aime notre vie telle qu'elle est. Mon mari ne se plaignait pas de notre manque d'enfants. Qui suis-je pour continuer à le pousser? Alors j'ai arrêté de le harceler. Alors il s'accrochait à moi d'une main et gérait toute une famille entière de l'autre main. Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé le divorce? S'il ne voulait pas de cette vie, il aurait pu demander où. Qu'il veut pas de cette vie et que c'est pas le mariage qu'il souhaitait avoir. Je pourrais comprendre. Cela m'aurait probablement blessée. Je l'avoue, mais je ne me sentirais pas comme je me sens vide. Je me sens vraiment vide. Chaque jour que cette fille est dans cette maison, c'est un constant rappel de la trahison de Peter. Je ne peux pas. Personne ne va te forcer à la garder ici. Tu n'es pas obligé de t'occuper d'elle. Personne ne peut te forcer ni te blâmer. Diane, je pense que j'ai une idée.
qu'est-ce qui se passera quand Peter va se réveiller et demandera d'après elle après qu'on l'aurait déposé à l'orphelinat? Laisse-le se réveiller. Je veux qu'il se réveille. Je prie pour qu'il se réveille pour que je puisse poignarder son cœur moi-même. Qu'il se réveille et il verra. Diane, je sais que tu souffres et que je souffre aussi avec toi. Mais tu sais, quand il s'agit de Peter, lorsqu'il va se réveiller, pardon, la meilleure des choses à faire est de ne pas être sévère ou amère avec lui. S'il te plaît. Quand il se réveillera, j'en ferai plus. J'irai jusqu'à brûler toutes ses propriétés. J'attends juste qu'il se réveille. Parce qu'il me fera face et répondra à quelques questions. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Ne t'abaisse pas à ce point. Tu es une femme forte et tu diriges une entreprise qui marche très bien. Tu n'as pas besoin de lui. Je sais. Tu sais, allons à l'orphelinat. Et oui, allons-y pour prendre des renseignements sur cette fille Diamond, afin qu'on puisse savoir quoi faire. Il n'y a aucune raison pour que Peter revienne à lui. Allô? Oui? I can't believe how you make me feel now. Now my heart is beating, but they heart the way. You said you love me and that you won't leave me. Heaven knows I've been here doing all for you. Now I don't know what to feel anymore. I don't know what. I can't believe how you make me feel now. Now my heart is beating, but they heart the way. You said you love me and that you won't leave me. Heaven knows I've been here doing all for you. Now I don't know what to feel anymore. I don't know. Comment peux-tu mourir et laisser ce désordre? Tant de questions. Et tu es parti. Ce n'est pas mes réponses. Je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère. Je ne sais pas sur qui déverser ma colère. Sur qui je vais la déverser? Tu es parti comme ça. Je ne vais pas pleurer pour toi. Oh mon Dieu! Pourquoi peux-tu me faire cela? Laisse-moi te chercher de l'eau.
Merci. Danmon, tu peux aller à l'intérieur. Vas-y. Charité, je ne sais pas ce que je suis censée ressentir. J'étais tellement en colère contre lui. Charité, je te dis, j'étais tellement en colère contre lui pour tout ce qu'il m'a fait subir. C'est bon. Mais je n'ai jamais voulu qu'il meure. Tu sais, tu as passé plus que 16 ans avec cet homme. Tu peux pas le détester complètement. Tu peux pas. Charité. Maintenant qu'il est parti, que suis-je supposée faire? Comment suis-je supposée agir? Il a été enterré aujourd'hui. S'il te plaît, arrêtons de parler de ça. Peut-être une autre fois, s'il te plaît. Merci. Merci, Tunde. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper du bureau. D'accord? Merci, Baba Tunde. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Allons à l'étage. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien. Tu es sûre? Tu sais, la meilleure chose pour toi, c'est de rester à l'écart de madame. Tu as remarqué comment tout est au calme depuis ces 2 semaines? Madame n'a même pas eu ton temps. Elle est occupée à planifier l'enterrement. Je te ferai une tenue de domestique la semaine prochaine. Tanti Dumai, j'ai peur. À propos de quoi? Que va-t-il m'arriver maintenant? Je comprends pas. Avant, quand mon père était vivant, il était dans le coma. Mais il était toujours vivant. J'espérais toujours qu'un jour, il se réveillera et il s'occupera de moi. Mais maintenant, je me rends compte que ça n'arrivera jamais. Tu me fais penser à moi. Lorsque mon père était mort, sa deuxième femme nous a transformé, ma sœur et moi, en domestiques. Et depuis la mort de notre mère, nous n'avions plus personne. Donc tu n'as pas de relation comme moi? Tu appelles quoi relation? Vaut mieux que tu saches dès le départ que tu n'as personne. Alors que va-t-il se passer maintenant? Si Tanti ne m'accepte toujours pas. Ah, donc tu pars? Ah, aller où? Réfléchis bien. Tu dois avoir quelqu'un quelque part. Ta mère n'a-t-elle pas de famille? Je ne sais pas. Mon frère et moi avons toujours été inquiètes de ne connaître aucun membre de notre famille. Ami? Je pense qu'elle avait quelques amis. Je me souviens de Tanti Sharon et de Tanti Linda. Mais Tanti Linda a déménagé au Royaume-Uni l'année dernière. Hey, ça c'est une bonne option. Appelle l'ami de ta maman et dis-lui de venir te chercher. Oui, mais
J'ai perdu les contacts de tante Linda. On s'est perdu de vue. Et ta tante Sharon, as-tu son numéro? Bien, appelle-la et dis-lui de venir te chercher. Si tu n'as pas de crédit, je vais t'en acheter. Oui, je l'ai. D'accord. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Allô? Allô, tante Sharon? C'est moi, Diamond. Oh, ma chérie, comment vas-tu? J'ai appris que vous avez voyagé avec votre père. Êtes-vous de retour? Dis à ta mère de m'envoyer ma part des bonnes choses du voyage. Tante Sharon! Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Tante Sharon, pouvez-vous venir et m'emmener? T'emmener? Que veux-tu dire par t'emmener? T'emmener où? Maman, papa et Junior, ils sont morts. Quoi? Morts? Comment? C'était un accident. Et je suis la seule survivante. Venez m'amener, s'il vous plaît. Ah! Et la femme de ton papa? La femme de mon papa me déteste et elle me renvoie de la maison. Allô? Je ne t'entends plus. Je te saisis mal. Venez me chercher, s'il vous plaît. Je promets ne pas vous déranger. Allô? Allô? Je ne t'entends pas. Tante Sharon! Allô? Je ne t'entends pas. Tante Sharon! Tante Sharon! Bonjour, maman. Que fais-tu là? Dumaï est allée au marché, donc je vous ai fait votre thé. Je ne te demande pas ce que tu fais dans ma chambre. Pourquoi es-tu toujours dans ma maison? Maman, je n'ai nulle part où aller. En quoi cela me regarde-t-il? Je veux dire, j'ai appelé l'ami de ma mère. C'est parce que ta mère a probablement couché avec son mari. Parce que ta mère était sans retenue. Vas-tu te dégager de ma maison? Sors d'ici! Mais je t'avais bien dit de rester à l'écart d'elle. Je voulais juste lui servir le thé. Qui t'a envoyé? Tu vois ce que tu as fait? S'il te plaît, peux-tu m'aider à la supplier? Je n'ai pas besoin qu'elle s'occupe de moi. Je peux travailler dur. Je n'ai nulle part où aller. J'ai juste besoin d'un endroit où rester. S'il te plaît. Il faut partir. Prends ton sac et tu quittes. Prends. J'allais. Quand mon père était décédé, j'ai quitté mon village. Avec le peu d'argent que j'avais, que j'ai volé de ma belle-mère, j'ai pris le bus avec et je suis venue à Lagos. Tu vois, il faut que tu te lèves sur tes deux pieds. D'accord? Tu dois bien prendre soin de toi. Il faut partir. Je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas survivre toute seule. Tu as raison, mais tu dois partir. Il faut partir. Tu veux que madame me vire aussi?
fais-tu là, dehors? Madame m'a expulsée de la maison. Oh mon Dieu! Maman, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Je peux tout faire, je peux cuisiner, je peux nettoyer, je peux travailler dur. Maman, s'il vous plaît, aidez-moi, je n'ai nulle part où aller. C'est bon. Viens, allons à l'intérieur. Non, s'il vous plaît, elle va se mettre en colère contre moi, s'il vous plaît. Je la connais depuis notre enfance. Elle ne peut pas. Prends ton sac. Êtes-vous sûr? Écoute, elle n'est pas une mauvaise personne. Elle est juste blessée. Ton papa et ta maman l'ont beaucoup blessée. Je sais. Tu sais? Oui, madame. Ma maman m'a dit quelque chose du genre que mon père a une autre femme. Ça n'a vraiment pas d'importance, d'accord? Allons à l'intérieur. Maman, êtes-vous sûre? Je sais, prends ton sac. Maman, elle va se mettre en colère. Et arrête de m'appeler maman. Appelle-moi Charité. Je suis tata Charité. Viens, on y va. Viens. Merci, maman. Ne t'inquiète pas. Juste appelle-moi tata Charité. Allons-y. Te moques-tu de moi? Sérieusement, de quel côté es-tu? Du tien. Et pourquoi l'as-tu ramené ici? Je ne fais pas ceci pour Pita. Et je ne le fais pas non plus pour sa défunte mère. Je le fais parce que je suis une mère. Ma princesse a le même âge qu'elle. Attends, donc tu dis que je fais ça parce que je ne suis pas une mère? Comment peux-tu dire ça? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Écoute, laisse-la juste vivre ici. C'est la fille de Pita. Et ici, c'est sa maison. Et c'est aussi ma maison. D'ailleurs, à ce que je sache, Peter n'a pas d'enfant. Si je dis qu'elle ne reste pas, elle ne reste pas. Tu n'es pas obligé de lui donner une meilleure vie, ni une vie de luxe, mais juste un toit où elle va vivre. Charité, tu n'as aucune idée de ma constante bataille pour essayer de surmonter tout cela. Je suis constamment en train de me demander si c'est le karma ou quelque chose d'autre. L'avoir ici rend vraiment impossible pour moi l'avancer. Je comprends tout ça, mais je ne veux pas te voir constamment souffrir de ce que tu as traversé. Je ne veux pas que cela te change à une personne que toi-même tu ne pourras pas reconnaître. S'il te plaît, fais le juste pour la bonté de ton cœur. S'il te plaît. Moi, pour la bonté de mon cœur. D'accord. Pour la bonté de mon cœur. Help you heal your heart. Heal your soul. One of these.
been dreaming, 'cause it felt so real. It used to be so nice, the sky and the blue light, and all the truthful lies. I got used to it all. Now Mademoiselle Diane, tout le monde attend la conférence. J'arrive tout de suite. Tu nous as vraiment fait peur. Vraiment? Oui, tu t'es évanouie. Le docteur a dit que ta tension artérielle a monté en flèche. Diane, s'il te plaît, ne te fais pas du tort. Pita n'est plus de ce monde. Cela fait 3 mois et quelques jours que tout cela s'est produit. Et j'ai vraiment essayé d'aller de l'avant. Mais comment? J'ai arrêté. Comment puis-je aller de l'avant avec quelque chose comme ça? Je suis traumatisée. Je sais. Penses-tu que nous devons chercher de l'aide professionnelle? Je ne pense pas que j'en ai besoin. Tu sais, peut-être que tu peux vendre la maison et déménager. Tu crois? Oui, et tu recommences une nouvelle vie, plus simple. Dans un nouvel endroit, c'est une façon d'enterrer les vieilles blessures, tu sais. Je vais y réfléchir. S'il te plaît, juste fais-moi une faveur et fais un effort de jour en jour pour être heureuse. S'il te plaît. Je serai avec toi jusqu'au bout. D'accord? Thank you.
Excusez-moi, madame. Votre repas sera bientôt prêt. Du mal, c'est bon. Prends ton temps. Excusez-moi, madame. Retournez en chambre. Je vous l'apporterai. En fait, je vais déjeuner dans la salle à manger aujourd'hui. Salle à manger? Oui. D'accord, madame. Je vais dresser la table. C'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est le journal de Damon, madame. D'accord. Diamond, devine. Quoi? Madame demande qu'on la serve dans la salle à manger. Oh, c'est bon. Je pense que madame revient dans son état normal. Tu as fini de nettoyer? Oui. Bien, va vite laver la voiture. Tu sais que c'est ton travail, n'est-ce pas? Oui. D'accord, dépêche-toi. À ton retour, je te sers le repas. D'accord. Très bien, dépêche-toi. Vas-y. Cher journal, je ne suis plus triste. Je voulais me complaire dans la tristesse, mais maintenant j'ai décidé d'être heureuse. Parce que c'est la seule façon pour que tout le monde autour de moi le soit aussi. Maman, papa et Junior sont partis. Et aucune larme ne les ramènera. Je ne vais plus à l'école. Mais je ne m'inquiète pas pour ça. Duma m'a dit que je peux me faire former quand je serai plus âgée. Madame Diane nous a fait peur lorsqu'elle s'est effondrée au bureau et j'avais tellement peur qu'elle meure. J'ai tellement perdu des gens ces derniers mois et je ne voudrais plus jamais perdre quelqu'un. Même pas Madame Diane. Elle peut être dure et antipathique, mais je ne la déteste pas, pas pour l'instant. Elle est la seule famille que j'ai. Hier soir, quand elle dormait, j'ai été jetée un coup d'œil dans sa chambre parce que j'avais peur qu'elle ne respire pas. Mais elle n'était pas morte, alors je me suis enfuie. Diamond. C'est bon, viens. Bonsoir, maman. Viens, s'il te plaît. Viens plus près. Viens plus près, ça va. Ça n'a jamais été de ta faute, d'accord? Je suis désolée. Je suis désolée. Ils m'ont fait du mal et... J'avais mal et puis... Tu étais la seule personne que j'ai vue. Te maltraiter pour moi, c'est comme si je leur faisais payer pour le mal qu'ils m'ont fait. Mais c'est faux. Tu es innocente dans tout ça. Alors, s'il te plaît, peux-tu trouver une place dans ton cœur pour me pardonner? S'il te plaît. Je vous pardonne. Alors, est-ce... Peux encore tout recommencer?
Je sais que t'as perdu tes parents et tu as mal. Pouvons-nous guérir ensemble? Je suis triste pour Madame Diane parce que je sais que maman lui a fait du mal. Je promets que pour le reste de ma vie, je vais réparer les erreurs de ma mère. Et je serai aux côtés de Madame Diane, même si elle me déteste. C'est le moindre que je puisse faire. Tout cela est de ma faute, car si je n'étais pas née, mon père n'aurait pas eu sa famille secrète. Tout le monde dit que Madame Diane est une gentille dame et qu'elle est toujours heureuse, mais elle a changé à cause de ce qui s'est passé. Je suppose que c'est ce que la trahison fait. Son cœur a été brisé par l'homme qu'elle aimait et cet homme était mon père. J'espère qu'un jour, elle redeviendra elle-même parce que j'aimerais tellement la voir sourire. Mon anniversaire est dans quelques jours et mon souhait est que Madame Diane redevienne la femme qu'elle a été. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps, bébé? Pourquoi cette glace encore? Tu vas me faire grossir. Toutes les glaces te feront grossir. Que veux-tu dire? Devine quoi? L'architecte vient de m'appeler que la nouvelle maison est prête. Oh mon Dieu! Waouh! Je ne peux pas y croire. J'ai hâte de déménager dans ma propre chambre. Je vais la rendre toute princesse. J'espère que ta chambre reflétera qui tu es. Oui, c'est ce que j'ai dit. Comme une chambre de princesse. Je veux que ma chambre soit belle et rose. D'accord, tu veux la prendre, n'est-ce pas? Allons-y la voir. Oh oui. Alors, il faut que je goûte la mienne. Un peu de musique. Non, maman, pas cette chanson. C'est de l'ancienneté. C'est ma voiture, il faut faire avec. D'accord. Alors, tu me fais manger ma glace pendant que je nous amène où on va. Maman, la mienne va fondre le temps que je te sers. Je m'en fiche. Ouvre grand. Allons-y. Je t'en donne encore un. Le pardon est la clé pour vivre une belle vie. Certes, la trahison de mon mari m'a laissé un cœur brisé. Mais de cette grande douleur est sorti un cadeau, ma fille, Diamond. Et je suis si reconnaissante de commencer une nouvelle vie avec elle. Tout en oubliant la douleur derrière nous, nous travaillerons ensemble, mais dans la main, comme mère et fille, pour le reste de nos vies. Replace the shining sun.